Avec Monsieur Motundé, à savoir la spiritualité africaine, c'est quoi, Monsieur Motundé ? Voilà. Alors, je suis quand même ravi qu'on ait l'opportunité de parler de ça, parce que je m'aperçois que, en fait, il y a une problématique qui relève pratiquement de l'escroquerie intellectuelle. Et ça, je le dis très clairement, il y a une escroquerie intellectuelle dans cette affaire-là, et je pense que il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je dis pas non pas auprès de ceux qui sont extérieurs au monde noir, puisque je dirais que, bon, on n'est pas surpris. On a l'habitude. Parce que le jeu de la, voilà, on a l'habitude, ça fait 500 ans que ça dure. Mais par contre, au niveau des nôtres, hein, parce que là, il y a quelque chose qui est problématique. C'est-à-dire que je constate, et ça, je l'ai vécu encore dans une émission que nous avons fait sur un média hexagonal, que lorsqu'on parle de spiritualité africaine, la première chose qu'on vous dit, donc tu ne crois plus en Dieu. Ça veut dire qu'on a réussi, enfin le colonialisme a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de sortir de l'Afrique la notion du créateur unique. Là, c'est extraordinaire. Parce que je peux vous dire une chose. Dans tous les débats théologiques, où vous avez des chercheurs, des égyptologues, des théologiens de différentes confessions et compagnie, il y a quand même une chose, au minimum, que tout le monde reconnaît, c'est que la notion d'un dieu unique vient d'Afrique. Il parle d'Akhenaton. Mais Akhenaton, c'est quand même Afrique. Bien que, il y a quand même 3000 ans avant Akhenaton, on parlait déjà d'un dieu unique. Et tous les textes parlent d'un dieu unique. Mais au moins, il y a cette convention-là qui consiste à dire que le premier qui a ouvertement parlé d'un dieu unique, c'est Akhenaton. Donc on ne devrait pas dire que la notion de dieu est extérieure à l'Afrique. Bon, déjà. La deuxième chose qui est importante dans cette affaire, c'est qu'on a pris comme base le soleil. Et il y a un seul soleil dans le ciel, donc la chose c'est que c'est la lumière du monde, oui, mais elle est unique. Donc il n'y a pas eu de polythéisme africain. Et là, je tiens quand même à être relativement précis. La tradition africaine, nous l'avons définie, et ça c'est le professeur Bilolo, en disant qu'il ne s'agit pas de polythéisme, il ne s'agit pas de monothéisme. Il s'agit de mono-originisme. Voilà. C'est-à-dire, c'est le mono-originisme. Donc, la case du polythéisme qui était celle de l'antique tradition des Sémites ne nous concerne pas. Parce que nous n'avons pas eu de conflit entre tel dieu, tout le monde a adhéré à l'idée que la manifestation du Créateur dans la création, c'est le soleil qui se manifeste à travers toute sa création et que à partir de là, il est l'unique. Bon. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de monothéisme ? Non. Nous, c'est le mono-originisme, et je vais prendre le temps de l'expliquer simplement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition africaine, Dieu est androgyne, c'est-à-dire il est femelle et il est mâle. C'est pour ça qu'on dit la mère-père primordiale. Il faut savoir que sur le plan scientifique, quand un embryon naît, au départ, il n'est ni mâle ni femelle. D'accord ? Et c'est tout simplement à la huitième semaine, après la huitième semaine d'ailleurs, vous vous rendez compte, après la huitième semaine, que le féminin va se dissocier tout simplement en ayant deux chromosomes X, et le masculin va faire un chromosome X, un chromosome Y. Mais on voit bien qu'au début de la gestation de la vie, tout humain est androgyne. C'est-à-dire tout humain est androgyne, c'est-à-dire qu'il a les deux. Vous voyez ? Et la chose, c'est que le féminin a cette emprise relativement importante. Donc lorsque nos ancêtres disent que le Créateur est à la fois mère et père primordial, la science leur donne raison. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nos ancêtres disent que le Créateur est à l'origine de tout, mais dans tout ce qu'il a créé, il a placé une parcelle divine de lui-même. Il est le seul à être la totalité. Tout le reste n'est que parcelle, c'est-à-dire l'être humain, et une parcelle de la totalité divine. D'accord ? Mais cette totalité divine possède, je dirais, le cœur énergétique, ce qu'on appelle le fluide énergétique qui anime la totalité de la création. Et donc, ce fluide énergétique, chaque être
possède un millième de ce fuite énergétique. D'accord ? Et donc, à partir de là, que ce soit le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, le monde humain, peu importe ce que vous voyez comme monde, vous allez constater toujours une chose, il y a toujours de l'énergie, il y a toujours de la vibration. Et cette énergie, cette vibration, prenons la mécanique quantique. Qu'a révélé la mécanique quantique ? La mécanique quantique a dit que comme tout est issu du même placenta, c'est-à-dire le noyau du Big Bang, et tout s'est dissocié depuis le Big Bang, on constate que tout ce qui existe a quand même un flux qui revient vers le point originel du Big Bang. Donc ce qui montre bien que quand on parle de fluide énergétique, eh ben, la théorie quantique et de physique du Big Bang retient qu'effectivement il y a de l'énergie dans tout, mais que cette énergie tend dans son origine toujours vers le point originel qui est le Big Bang. Donc je dirais jusque-là, on n'a fait que de la science. Et ça, c'est très important. Parce que je dirais que à partir de là, on a considéré que le Créateur a créé l'homme et la femme. Il n'y a pas de dissension entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a une complémentarité qui s'exprime pour tout simplement donner la vie. Mais la femme, il n'y a pas d'interdit de la femme dans la société. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a toujours eu des reines. Il y a eu des femmes qui ont été chefs des armées, il y a eu des femmes qui ont été chefs religieuses, hein, c'est-à-dire le titre de pape allait mettre une femme au Vatican aujourd'hui, vous allez comprendre le problème dans la dimension nomade et patriarcale. Les nomades, une femme présidente en France. Voilà, les nomades patriarcaux, ce sont des peuples qui se sont sédentarisés récemment. Ce sont les sémites, c'est-à-dire les juifs, les arabes et les européens, qui se sont sédentarisés récemment. Quand ils se sont sédentarisés, c'est auprès de peuples qui étaient déjà sédentaires depuis des millénaires et qui pratiquaient l'agriculture. L'agriculture a toujours eu une divinité féminine. C'est Déméter, donc c'est Isis en Égypte, qui a donné Déméter, donc en Grèce, c'est l'émanation d'Isis, qui a donné Cérès, donc dans le monde romain. Donc on voit que pour ce qui concerne la nature, la terre, la vie, ce sont des féminins. D'accord ? Bon. Donc le féminin donne la vie, le féminin donne l'énergie, le féminin permet le mystère des mystères. C'est quel est le mystère des mystères ? Permet à la matière d'être pénétrée par l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans le corps du féminin, dans le corps d'une femme, que l'esprit rencontre la matière. D'accord ? Ça, il faut le savoir. L'esprit rencontre la matière dans le corps d'une femme, hein, dans le ventre d'une femme. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe tout simplement que cette énergie qui sort sous la forme de vie, eh bien, le masculin va lui donner une direction. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle tout simplement les confréries initiatiques, où on va tout simplement ben, commencer maintenant à donner à l'individu qui naît le sens de son existence. D'accord. Quel est le sens de cette existence ? Il faut savoir que l'homme est apparu à un moment très important. C'est le moment où l'ordre a vaincu le désordre dans toutes les dimensions du visible et de l'invisible. Donc c'est pour ça que l'homme apparaît dans un temps régulé, des espèces qui sont formées et une gestation de la nature qui est parfaite, avec des saisons, avec des rythmes, avec des animaux, avec des choses différenciées. Donc l'homme apparaît comme une équation parfaite de l'univers, c'est-à-dire il n'y a pas de désordre lorsqu'on regarde l'être humain. C'est une symétrie bilatérale parfaite et tous ses organes fonctionnent. Il est doué de matière et d'esprit. Cette matière va lui donner tout simplement le goût et autres, mais l'esprit va lui donner ce qu'on appelle le discernement et l'élévation spirituelle. D'accord ? Tout ça, ce sont des choses très importantes. Mais là-dessus, l'homme, dans sa démarche, va découvrir une chose. C'est que le Créateur, il a créé par l'intelligence. Son intelligence s'appelle Sia. Donc par un enseignement dans la confrérie, il faut lui conférer l'intelligence de quoi ? L'intelligence du fonctionnement de la nature et de sa relation dans le monde visible et invisible. Pourquoi ? Parce qu'il est le gardien de cette relation. Vous savez que dans la tradition africaine, Dieu dit qu'il est important que les humains soient le plus intelligents que possible. Pourquoi ? Parce que la création est complexe. Et comme l'humain doit être le gardien de cette création, la création c'est pas un parc d'attractions, on n'a pas à faire des zoos et s'amuser avec des animaux. C'est-à-dire on est garant d'une réalité transcendante qui possède en elle cette étincelle divine du Créateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer un manguier et décider que le manguier va porter des mangues quand vous le souhaitez. Parce que l'énergie divine du Créateur s'en va. Vous avez des mangues, oui, mais il n'y a plus d'énergie divine du Créateur à l'intérieur. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses importantes parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Maintenant, tous les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui. Quand vous dites que vous l'appelez l'Éternel, je tiens quand même à rappeler, plus de 2500 ans avant le texte juif,
Dieu est appelé dans les textes sacrés africains Néhéhé. Néhéhé, ça veut dire l'éternel. D'accord ? Quand on dit Nepet, ça veut dire le Seigneur du ciel. Nisutiri Mpet, le royaume de Dieu est au ciel. C'est-à-dire, il faut apprendre à lire les Médounétiens, les hiéroglyphes, et à voir ce qui est écrit. Quand il dit je suis le Seigneur Tout-Puissant, tout ça, ça vient de l'Égypte. Je suis le Créateur Imta. Donc, il ne faut pas venir. Quand on dit Amen, Amen, c'est le nom de Dieu en Afrique. Il faut le savoir. Hein. Amen, c'est le nom de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi les gens parlent de Jéhovah, ils ne terminent pas la prière en disant Jéhovah, en inventant ainsi soit-il, qui est vraiment burlesque, parce qu'en égyptien ancien, Iret Mikreper, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand vous avez un texte sacré, ça se termine par la locution Iret Mikreper. Iret Mikreper, c'est ainsi soit-il. Donc, et le texte parlait du Dieu sous le nom d'Amon. Alors vous avez un Dieu qui s'appelle Amon, donc Amen, qui termine son texte par Iret Mikreper, qui veut dire ainsi soit-il. Et le gars reprend le texte, il reprend le même texte, il change le nom du divin et il termine par Amen. C'est une entourloupe. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ? Donc tout ça font que les choses sont quand même de l'ordre du burlesque. La deuxième chose que je constate, c'est que quand on va dans l'Afrique impériale, on va dans les grandes confréries initiatiques. D'accord, que ce soit au niveau du vaudou, que ce soit au niveau du komo, donc toutes ces traditions initiatiques, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les noms de Dieu sont des noms extraordinaires. Quand vous avez le nom, par exemple, Mawe Janjila, dans le royaume Congo, Mawe Janjila, ça veut dire celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est que Dieu ne crée pas spontanément. Il doit penser tout élément qui va faire apparaître dans la création, parce qu'il ne faut pas déséquilibrer l'équilibre. Et cette chose qui doit arriver doit avoir une nature énergétique, une fréquence énergétique, et doit boire et boire manger. Et nous savons très bien que la baleine, même si elle est grosse, elle va manger du phytoplancton. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas créer comme ça en claquement de doigts. Donc il y a le principe de la gestation de la création qui se fait dans le cœur. Mais quand on met notre grain de sel justement dans la création et qu'on vient à modifier un peu les circuits naturels. Alors, il faut savoir une chose. Moi, sur cette question, j'en ai parlé à un grand initié du vaudou haïtien. D'accord ? Du Bénin, pardon. Et la chose, c'est que, comme on a eu l'occasion de le recevoir en Guadeloupe, moi, je suis parti dans la nature avec lui. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a expliquées. Et je vais essayer de témoigner de choses simples. D'accord ? Nous sommes, en fait, le dernier être vivant à avoir été créé. C'est-à-dire que tout a existé avant nous. Et dans tout, il y a de l'ordre. D'accord ? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les textes disent que le Créateur a créé à partir de son cœur. C'est-à-dire son projet de création, il a pensé dans son cœur. Et dans son cœur, il a mis la forme parfaite. C'est-à-dire quand vous regardez les plantes, les mathématiques fractales, par exemple, quand vous les appliquez dans la nature, vous vous rendez compte que c'est une symétrie parfaite, tout est parfait. D'accord ? Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est qu'il y a l'énergie transcendante du Créateur dans la création. Et je vais expliquer une chose pour que vous compreniez. Pour que quelque chose fonctionne, il faut qu'il y ait de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, ça ne peut pas fonctionner. Pour que nos organes fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'énergie. Vous savez, votre téléphone portable, vous le branchez, vous le chargez. Votre ordinateur, vous le chargez. La chose, c'est que si nous fonctionnons, il y a forcément une charge. Et l'investigation que j'ai menée à partir de la tradition africaine pour dégager la dimension scientifique a donné que l'arbre, quand il est planté dans le sol avec ses racines, le sol, c'est de l'électricité positive. Les feuilles de l'arbre qui captent les photons de lumière qui viennent du soleil, c'est de l'électricité négative. Donc ça veut dire que finalement, cet arbre qui porte des mangues fonctionne comme une pile. Donc si ça fonctionne comme une pile, c'est alimenté en plus et en moins, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va charger l'énergie. Qui va stocker l'énergie. D'accord. Et qu'est-ce qui va stocker l'énergie ? C'est le fruit. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le fruit a un temps d'exposition solaire qui est très important. Parce que vous savez très bien que si vous n'avez pas attendu que votre téléphone portable soit chargé, vous l'enlevez à 50%, il va se décharger beaucoup plus vite. Mais si vous l'avez laissé charger à 100%, quand vous allez l'enlever, ben là, la charge va durer. Eh ben c'est la même chose pour une mangue. Si vous avez mis une exposition qui est beaucoup plus courte, eh ben l'énergie va tout simplement vider la mangue beaucoup plus vite. Mais si vous avez donné le temps d'exposition prévu par le Créateur et par la nature, donc dans cette démarche-là, vous avez une mangue qui est complètement chargée. Donc ça veut dire que quoi ? La mangue vous donne deux choses. La mangue vous donne des nutriments, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vitamines, mais la mangue vous donne de l'énergie. Parce que si votre estomac doit synthétiser les vitamines de la mangue, il faut qu'il y ait de l'énergie dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de santé, on parle de vitalité. D'accord ? On ne parle pas de santé, on parle de vitalité. C'est très important. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on mange de la nourriture donc qui n'est pas chargée énergétiquement. C'est pour ça qu'on va à la pharmacie tous les deux jours.
Donc ça, c'est important. D'accord ? Donc cela, il faut comprendre une chose dans cette démarche-là. Il y a des choses, par contre, qui sont à l'opposé de toutes les autres théories et qui reposent sur une réalité fondamentale. On ne prie pas Dieu parce que nous sommes divins. C'est-à-dire, on se prie soi-même ? C'est comme si on se priait soi-même. Soit on est des êtres divins, soit on ne l'est pas. On a été créé par le Créateur divin, on est de fait divin. Donc l'Afrique ne conçoit pas la notion de prière, ne conçoit pas la notion de chapelet, ne conçoit pas la notion de neuvaine. Parce que ça veut dire que tu mets en discussion ta divinité. D'accord ? Donc les choses sont totalement différentes. Ça, c'est des choses fondamentales à ce niveau-là, parce qu'il faut arriver à le comprendre. Ah ben, Zébris me disait hier, par exemple, qu'on ne devrait pas dire qu'on a une âme, on devrait dire qu'on est une âme. C'est-à-dire qu'on est une étincelle de lumière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque être, mais pas que l'homme, hein, le Créateur a mis une étincelle, ce qu'on appelle le hak, vous voyez ? Et je vais vous dire une chose, dans les textes sacrés africains, chaque fois que le hak se retrouve au paradis, ça s'appelle un béatifié dans les textes chrétiens. D'accord. Puisque comme c'est les mêmes textes, on a juste changé le nom. On voit bien que le mot hak dans le texte égyptien est choisi par béatifié. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement importantes. Maintenant, je vais vous dire une chose qu'il faut quand même savoir. Vous avez une pièce dans laquelle circule de l'énergie. Mais cette énergie, il faut un interrupteur. Il faut quelqu'un qui vous explique comment fonctionne l'interrupteur. Ah ben c'est ça. Les divinités, c'est ça. Quand on parle de divinité vaudou, quand on parle de divinité égyptienne et compagnie, ce sont tout simplement des êtres qui ont été envoyés pour vous expliquer que ça, c'est un interrupteur. Quand tu fais ça, ça s'allume. Ça allume la lumière. Quand tu fais ça, ça éteint la lumière. Mais ça allume et ça éteint la lumière. Ou en toi. Hein. Quand tu fais ça, tu éteins la lumière en toi. Quand tu fais ça, tu l'allumes. D'accord. C'est-à-dire, tu mens, tu éteins la lumière. Tu dis la vérité, tu allumes la lumière. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On constate que quand je prends un élément, par exemple, qui est issu de la transformation, prenons par exemple une canette. Cette canette-là, je la jette dans la nature. Au moment où je la jette dans la nature, il y a deux actes qui sont commis qu'il faut comprendre. J'ai jeté un élément matériel dans la nature, mais j'ai jeté aussi un élément énergétique en moi. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu, c'est ce qu'on appelle le secret de la création. C'est très important ce que je dis, parce que quand il y avait les réunions à Paris sur la COP 21 et compagnie, c'était de ça que je discutais avec les gens. Je leur dis, faites très attention, parce que vous êtes piégés. La Terre me permet, par son fonctionnement, de savoir exactement ce que vous avez dans le cœur. Parce que ce n'est pas la Terre qui est polluée, c'est votre cœur qui est pollué. Donc quand tu jettes la canette... Ah oui, il y a un double jeu qui se fait. C'est-à-dire que regardez bien tous les mots de pollution, il n'y a pas de langue africaine qui parle de la pollution. Même en Guadeloupe, tous les mots de pollution sont des mots français. Peut-être créolisés, mais on n'a pas de mots dans nos langues maternelles pour dire poubelle. Hein ? Ça n'existe pas, parce que cette notion-là n'existait pas chez nous. Hein ? Donc il faut bien le comprendre. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre dans la nature un corps étranger à la présence de la nature dans ce lieu-là. C'est-à-dire, il faut imaginer que c'est un lieu dont l'équilibre énergétique est parfait, et tu mets quelque chose qui va déséquilibrer cet équilibre. Mais au moment où tu penses l'avoir fait et ne pas avoir d'incidence, en fait, il y a un retour, je ne dirais pas un retour de bâton, mais c'est la problématique des lois. Un retour énergétique dans ce cas-là ? Ah oui, totalement. C'est ça la chose. C'est que de l'autre côté, tu t'es pollué toi-même. C'est-à-dire, l'énergie que le lieu a perdue, cette chute énergétique, tu vas la recevoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a beaucoup interpellé. Et je ne vous parle pas que les gens le savent. Moi, j'ai été voir l'Office des forêts et je leur ai dit, je voudrais organiser une rencontre entre vous, Office des forêts, et les grands initiés africains pour que vous puissiez comprendre comment ils parlent de la forêt. Parce que vous parlez de la forêt comme des Occidentaux. Vous n'avez aucune notion culturelle de ce que c'est que la forêt. Et si vous êtes des forêts, machin, il faut arrêter quand même. On est en Guadeloupe, on n'est pas en Belgique. Je comprends qu'un garde forestier... Et même en Belgique, ils vous disent que les arbres parlent, il y a tout ça maintenant. Hein, en Allemagne aussi, il y a un livre qui a fait des millions de ventes où on dit que les arbres parlent et compagnie. Mais je vais vous dire une chose. Le plus beau dans tout cela, c'est cet enseignement-là. Un vieux prend un jeune initié, un enfant, et lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Et l'enfant, il dit, je vois des arbres, je vois des oiseaux. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois le ciel, je vois les... Qu'est-ce que tu vois ? Et l'enfant, il dit, je vois la création. Et le vieil initié dit, d'accord. Et il dit, mais qui a créé la création ? Et l'enfant répond, le créateur. Il dit, d'accord. Et comment le créateur a créé la création ? Il dit, avec la parole. Il dit, donc, qu'est-ce que tu vois ?
Et le petit enfant répond au grand prêtre, donc Kamit, ben, tout simplement la parole du Créateur. Et il dit, mais où tu dois être pour être à l'écoute de la parole du Créateur? Et l'enfant répond, ben, dans la création. Donc il dit, ben, viens, on va dans la forêt. Arrivé dans la forêt, il dit, quel est le premier enseignement que te donne le Créateur? Il dit, mais c'est bizarre parce que tout est vers la verticale. C'est-à-dire que ça part du sol et ça monte vers le ciel. Tout s'élève. Donc, il dit, tu vois, la première loi, c'est pouvoir à son élévation. C'est-à-dire, peu importe là où l'arbre sort dans la forêt, il peut même sortir sur un rocher, mais il va faire des racines, il va chercher la terre et il pourvoit à son élévation. Quelle est la deuxième loi? Porter des fruits. C'est-à-dire que si tu cherches les fruits de ton intelligence, tu vas remarquer que quand tu cherches les fruits d'un arbre, tu dois lever la tête. Donc, ceux qui ne font pas d'efforts pour upgrader leur intelligence, pour pouvoir porter des fruits pour demain, aux jeunes générations, ben vont se retrouver à tourner en rond d'abord en eux, et puis finalement vont tourner en rond dans leur vie. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que la deuxième loi, c'est porter des fruits. Et la troisième loi, c'est quoi? L'arbre, quand il porte des fruits, il porte des fruits pour tout le monde. C'est pas des fruits qui sont cachés sous son bras. Il porte des fruits pour l'anoli, pour l'oiseau, tout ça. Donc ça veut dire que ces fruits-là, que l'Afrique a portés, les mathématiques, les sciences, la médecine, la théologie, tout le monde était bien content pour les retrouver. La chose, c'est que personne ne veut avouer que ça vient du continent africain. Et qui plus est, sur le plan de la spiritualité, on salit le continent africain. Donc ça, ça ne se fait pas. D'accord? Maintenant, la troisième chose qui est importante. Si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture », ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Vous savez, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le code de la route, ça a été créé par Rousseau. Mais Rousseau, il a créé le code de la route et tout simplement, ça permet aux gens, ben, en prenant leur voiture, d'aller d'un point A à un point B sans mettre leur vie en danger et sans mettre la vie de personne en danger. Eh ben, la spiritualité africaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne le code de la route de la vie, ce qui vous permet de découvrir quoi? En faisant fonctionner votre voiture, de faire l'expérience de votre divinité et d'accomplir vos propres miracles. D'accord? Mais sauf que c'est une dimension sur laquelle l'Afrique est très silencieuse. C'est-à-dire que vous allez parler à un chrétien, machin, on a l'impression d'être devant un spot de publicité. Oui, Jésus a fait des miracles, machin. Mais est-ce que tu sais quand même le nombre de miracles qui se font en Afrique dans les traditions, dans les confréries et compagnie? C'est le silence total parce que, tout simplement, ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, les gens sont très humbles. Hein, quand vous allez voir les vieux vraiment en Afrique et parler avec eux de ces choses-là, les gens sont très, très humbles. Ça, c'est très important. Mais je tiens quand même à souligner une chose. C'est-à-dire qu'il y a les ancêtres. Alors, la notion d'ancêtre, pourquoi nous en sommes à la notion d'ancêtre et pourquoi les Européens parlent d'archanges et compagnie? Tout simplement parce que ce sont des nomades. Et les nomades, quand vous avez un parent qui meurt, eh bien, il faut continuer la route. On l'enterre et on continue. Mais sauf qu'il faut faire une libation 3 jours après, tu as déjà fait 120 km, donc tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus des mythomanes, c'est-à-dire ils ont inventé des mythes et des personnages légendaires, et à force de répéter, ils ont créé. Voilà la mythologie romaine, la mythologie. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est. Pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'autre, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Vous voyez, d'accord. Et c'est ça qui est important. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont fait cette démarche-là dans la raison ne reviennent pas en arrière. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez appris à conduire votre voiture, vous ne remontez plus dans le bus. Merci beaucoup en tout cas, voilà. Monsieur. C'était important de le spécifier.
On n'a pas pu faire le cours en intégralité, on le poursuivra. On le poursuivra la prochaine fois, c'est pas grave. La prochaine fois, mais en tout cas, merci pour ces éclaircissements sur Thomas Sankara, mais aussi sur la spiritualité africaine. Et que l'esprit de Thomas Sankara nous inspire quand même ici. Ah oui, mais j'espère qu'on en a besoin. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir comme ancêtre gardien. Franchement, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, intéressez-vous à l'homme, c'est le jour anniversaire de sa mort. Sincèrement, intéressez-vous à cet homme, à son parcours, à ce qu'il a accompli en 4 années seulement au Burkina Faso. Il montre effectivement que les grands changements sont possibles, mais il faut savoir faire preuve d'intégrité. D'intégrité et de respect, ce sont deux valeurs qui le portaient. Merci beaucoup, monsieur. Merci.